Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Serons-nous encore français dans 30 ans? Cette question, le Figaro Magazine l'a posée à la une le 26 octobre 1985. À l'époque, je me souviens que cette Marianne voilée avait déclenché un tollé de protestations en même temps qu'un fort courant naissait en France qui allait encadrer, bâillonner, museler la parole publique, l'antiracisme. Au nom de l'antiracisme, durant des années, tous les débats sur l'identité française, sur la culture, les mœurs, les coutumes de notre pays qu'il fallait protéger, préserver, défendre, tous ces débats sont passés à la moulinette de l'antiracisme. Aimer la France et son histoire, c'était marcher aux côtés de l'extrême droite. Aujourd'hui, une réalité nous saute au visage. Dans certains territoires du pays, et ce n'est pas nouveau, il n'existe plus aucune trace de ce qui fut hier la France. Le reportage de Zone Interdite, diffusé sur M6 il y a 8 jours, agit comme un électrochoc. Depuis 36 ans, et cette une du Figaro, la lâcheté des hommes politiques combinée à l'aveuglement de l'espace médiatique, journalistes, artistes, intellectuels, ont laissé naître des enclaves de non-France, de Lille à Marseille et de Brest à Strasbourg. Est-il déjà trop tard pour inverser la tendance? Manifestement, cette question est et sera au cœur de la campagne présidentielle.